Με πρεμιέρα στα Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου και του Σαν Σεμπαστιάν, η εμβληματική βιογραφία της Μάργαρετ Ντιράς φτάνει στις ελληνικές αίθουσες. Στα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η νεαρή συγγραφέας, μέλος της Αντίστασης, αναζητά τα ίχνη του συζύγου της, τον οποίο και έχουν συλλάβει οι Γερμανοί. Αποκλειστικές δηλώσεις των συντελεστών της ταινίας εξασφάλισε ο Αλέξανδρος Λιζάρδος. Depuis l'arrestation de Robert, le réseau est fragilisé, ils vont chercher à tout monter. Vous êtes la femme d'Antelme? Oui, c'est ça. C'est assez merveilleux d'avoir à jouer ce genre de personnage. Il y a justement le fait que ce soit si complexe et qu'il y ait tant de couches à trouver. Parce que ça va être une jeune femme comme ça qui va traverser la guerre, l'occupation, la libération, faire un bilan un peu des désastres de la guerre et ceux qui ont été oubliés, et de jouer à la fois cette Marguerite dans un gai désespoir et comme ça vibrante entre la peur et le désir de l'ambiguïté de la relation avec le collabo, et puis ensuite que tout se délite et qu'elle tombe un peu dans le monde des fantômes, c'est très riche à jouer. Vous avez raison, ce qui nous a intéressé, c'est de ne pas adapter l'écrivain qui retrouve un journal et qui est face à sa littérature, mais littéralement d'adapter ce qu'elle décrit, c'est-à-dire cette jeune femme qui attend son mari. Cette jeune femme profondément romanesque. Mais en même temps, on ne traite pas, on ne la voit pas écrire. Un petit peu, mais on ne la voit pas écrire. Mais on montre les chemins qui l'amènent à l'écriture de ce journal. Elle le dit, c'est sûr, je n'ai pas écrit ce journal pendant l'attente de Robert. Or, le film montre l'attente de Robert. Toute personne qui écrit, qui compose, la période de gestation qui précède l'acte d'écrire, c'est déjà de l'écriture. Quoi êtes-vous la plus attachée? À Robert Antelme ou à votre douleur ?